Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'Unipop de ville en ville. Ravie de vous retrouver, que ce soit ici à Pessac ou dans tous les cinémas, et ils sont nombreux ce soir qui ont choisi de retransmettre ce rendez-vous. Alors ce soir, je suis heureuse d'accueillir un invité que nous recevons pour la première fois à l'Unipop. Je vais lui demander de me rejoindre, Mathieu Thibault. Bonsoir et merci beaucoup. Donc Mathieu Thibault est musicologue, enseignant, professeur de musique, musicien, aussi multi-instrumentiste au sein du groupe The Snobs. Et si après ce soir vous avez envie d'aller jeter une oreille à ce que fait Mathieu, vous pouvez tout trouver sur son site thesnobs.fr. Et il est également auteur, donc notamment un livre qui était intitulé La trilogie Bowie et No. Et plusieurs livres au sein de cette formidable édition Le mot et le reste, qui fait référence en termes d'ouvrages musicaux. Alors, pas des livres seulement sur Bowie, mais notamment celui-ci, David Bowie, l'avant-garde pop, qui a donné donc son titre à la conférence qu'il va nous proposer ce soir. Et donc, je vais vous laisser prendre place, cher Mathieu. C'est parti, bonne soirée. J'ai appuyé sur lecture pour faire apparaître mon PowerPoint. Et merci à tous et toutes d'être venus ce soir pour cette conférence qui concerne effectivement David Bowie. Et l'idée, c'est non seulement de vous présenter l'artiste sous un point de vue plutôt musical, avant toute chose, mais évidemment, comme il s'agit de Bowie, toujours l'idée de présenter aussi sa pluridisciplinarité, puisque Bowie va piocher des influences dans la mode, le cinéma, la littérature, le théâtre, dans toutes les époques, et créer ainsi une synthèse qui se veut postmoderne, unique, à la fois pop au sens populaire qui s'adresse à tous, qui est accessible, parce que c'est dans un écrin de chansons avec des belles mélodies, des refrains qui sont faciles à identifier, et en même temps, il y a toujours cette idée d'expérimenter, de remettre en question les formes de ce que c'est que la pop. En ce sens, David Bowie, c'est toujours un artiste qui est à la fois pop et avant-gardiste. Et toute l'idée, c'est depuis ses débuts, depuis les années 60, jusqu'à la fin de sa carrière, à sa mort en 2016, vous montrer qu'il y a toujours cet équilibre instable, mais très fécond artistiquement parlant, entre l'avant-gardisme, c'est-à-dire l'expérimentation, et la pop, c'est-à-dire la culture populaire, quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre. Alors évidemment, j'ai procédé plutôt par ordre chronologique, de manière un petit peu pédagogique, pour que ça s'adresse à la fois aux gens qui ne connaîtraient pas Bowie, mais évidemment pour les personnes qui connaissent déjà Bowie, j'espère que vous découvrirez ou redécouvrirez des petites choses, des petites anecdotes ou des petits secrets de fabrication de son œuvre à travers la conférence. Évidemment, on doit partir du début. David Bowie, vous le savez peut-être, il est né en 1947. Donc il est un poil plus jeune que John Lennon, que Paul McCartney, mais guère plus. C'est vraiment la première génération des Anglais à faire du rock et de la pop dans les années 60. En fait, ce qu'il marque dès le début, lui, vous le voyez d'ailleurs sur la photographie à gauche, c'est d'abord le jazz, par l'intermédiaire de son demi-frère qui est un peu plus âgé, qui va l'initier au free jazz. Alors vous connaissez peut-être John Coltrane ou Eric Dolphy, qui sont des monstres sacrés du free jazz, donc du jazz afro-américain évidemment. Et lui va commencer par un premier instrument dans les années 60, qui est le saxophone. Il le réutilisera d'ailleurs au cours de sa carrière, ponctuellement, mais très régulièrement, au sein de chansons qui ne sont pas forcément du jazz, évidemment, mais qui intègrent cette influence. Donc dès le début, il y a quelque chose de non-rock, en fait, dans l'ADN de Bowie. Très vite, comme beaucoup de jeunes adolescents qui découvrent le rock and roll de Chuck Berry, d'Elvis Presley à la fin des années 50 et au début des années 60, il va former ses premiers groupes à partir de 63, les Conrads, les Manish Boys, les Lower Third. Et en fait, très vite, on se rend compte que David Jones, parce qu'il est né David Jones, a un peu plus d'ambition que ses camarades et il s'impose comme bien plus que le saxophoniste. Très vite, il va essayer en fait de prendre le pouvoir, un peu comme une sorte de putsch adolescent, pour devenir à chaque fois le chanteur et le leader du groupe. Parce qu'à cette époque, et encore maintenant dans le rock, même si on essaye de former un groupe, un gang, il y a toujours cette idée quand même que le chanteur ou la chanteuse attire un petit peu plus les regards que le saxophoniste, évidemment, ou le bassiste, ou le batteur, ou même que le guitariste. Donc l'idée de David Jones, c'est de devenir un petit peu le leader de ces groupes, si bien qu'au fur et à mesure de ses premiers enregistrements, qui sont des 45 tours, c'est-à-dire des singles, je rappelle évidemment, parce qu'on a le droit de ne pas savoir, on considère comme un album un ensemble de plusieurs chansons du même artiste, enregistrées dans une période donnée. Le single, c'est la chanson qui va être extraite de cet album en général, ou une chanson indépendante, qui est là pour être vendue de manière seule. Single, ça veut dire seule, ou célibataire aussi parfois, mais un single, c'est donc une chanson seule qui est faite pour promouvoir l'artiste. Au tout début de carrière, David Jones
commence en enregistrant des singles, tout simplement parce que c'est moins cher. On loue un studio pour une seule journée, donc on va produire des singles. Il produit des singles sous le nom de David Jones et les Lower Third. Donc très vite, il se détache du groupe, un petit peu comme Jimi Hendrix avait fait le Jimi Hendrix Experience, pour intégrer le fait que c'est lui la star. Très clairement, il y a cette ambition dès le début chez ce David Jones d'être le leader incontesté et donc sous-entendu la future superstar. Évidemment, au départ, c'est un échec commercial, c'est-à-dire que ça ne plaît pas du tout. Il faut dire qu'il est en grande concurrence. Vous avez les Who qui débarquent à cette époque, les Kings, évidemment les grands Beatles et Rolling Stones. Bref, il y a toute une explosion de ce qu'on appelle la British Invasion qui fait que le David Jones, avec sa musique qui n'a pas encore l'originalité qu'on lui connaîtra par la suite, ne perce pas, comme on pourrait dire. C'est notable quand même cette période parce qu'il s'en souviendra beaucoup plus tard, au début des années 2000, il reprendra des chansons de cette période pour les réenregistrer sous l'album Toy. J'en reparlerai un petit peu, mais il y a une forme de nostalgie qui reviendra plus tard pour cette période formatrice. Alors, au tout début, David Jones s'appelle David Jones, mais il rencontre Kenneth Pitt, qui va être son premier manager, qui est un aîné qui lui fait découvrir plein de choses. C'est un peu le grand frère... un peu plus stable que le Terry diagnostiqué schizophrène qui est son véritable demi-frère. Ce Kenneth Pitt va lui faire découvrir d'abord de la musique. C'est lui qui lui ramènera par exemple l'exemplaire du premier album du Velvet Underground, le groupe de Lou Reed en 1967, des États-Unis. C'est lui qui va lui faire découvrir Oscar Wilde, qui évidemment va devenir un de ses auteurs préférés, puisque Oscar Wilde développe tout ce qui est la philosophie dandy, où on met l'art au-dessus de tout, et puis on fait attention à son apparence, la critique est un art, tout est art, la vie c'est un théâtre, bref, des choses qui vont beaucoup marquer le futur David Bowie. Et puis ce Kenneth Pitt, il lui dit, attention, David Jones, c'est aussi le nom du chanteur des Monkees. Donc l'homonymie n'est pas très très heureuse, ça serait bien de trouver un autre nom un peu plus vendeur, un peu plus accrocheur. David devient David, enfin il s'appelait David, hein, mais il se faisait appeler David sur ses premiers enregistrements, il reprend le David d'origine, et surtout il remplace Jones par Bowie. Bowie pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est Jim Bowie, le général de la guerre de sécession, c'est aussi le nom du Bowie Knife, le couteau à double tranchant. Donc pourquoi il choisit ça? Bon déjà parce que ça sonne bien, Bowie en anglais. Aussi parce que ça sonne très américain. C'est vraiment un mot en référence aux États-Unis et à cette époque, ce sont les États-Unis qui font rêver tous les Anglais qui commencent à faire du rock'n'roll et ce qu'on appelle à l'époque la pop music, qui intègre évidemment le rock'n'roll et son évolution anglaise, le rock. Ce Kenneth Pitt, son premier manager, va l'aider à dégoter un premier contrat. Et c'est ça qui va donner le coup d'envoi véritable à la discographie, au corpus discographique de David Bowie, sous son nom, qui démarre en 1967 avec l'album homonyme, David Bowie, puis ensuite Space Oddity en 69 et The Man Who Sold the World en 1970. Je vais vous parler d'abord de cette première période que j'ai intitulée Suivre les modes, parce qu'en fait, David Bowie, on l'oublie, mais avant d'être le Ziggy Stardust avec le maquillage, l'homme extraterrestre, c'est aussi quelqu'un qui s'est construit au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui restera dans toute sa carrière. Il y a toujours l'idée de prendre des inspirations à droite et à gauche et en créer sa propre synthèse, quelque chose d'inédit, qui, à l'époque de Ziggy Stardust, va devenir ultra populaire, mais au début, ça ne fonctionne pas encore, c'est pour ça qu'il suit encore les modes. Autant Bowie les lancera dans les années 70, à la fin des années 60, il est encore derrière, il est encore là, en outsider, qui se rattrape aux branches de ce qui se fait dans la pop de l'époque, à savoir, par exemple, des Beatles. Et ça commence en 67 avec ce premier album, David Bowie, qui est un album un peu dans l'esprit des Kings. Vous avez des vignettes musicales qui racontent des histoires très anglaises, avec beaucoup d'humour, beaucoup de pince sans rire. Et dans les arrangements, c'est-à-dire l'habillage musical, hein, instrumental, rythmique, etc., on trouve beaucoup d'instruments de la musique savante et du cabaret. Donc vous avez des hautbois, des clarinettes, des cordes, des choses où, pour arranger ses chansons, il va prendre des cours autodidactes, en fait, il va prendre un livre d'harmonie, c'est-à-dire la science de comment construire une orchestration classique, et il va essayer d'écrire tant bien que mal, laborieusement, sur des partitions, il va apprendre sur le tard, en fait, pour transmettre à des musiciens de studio et leur faire jouer donc, ce qu'il a dans la tête. Ça, c'est notable, même si ça donne naissance à une musique qui ne restera pas dans les annales de Bowie, mais là où c'est notable, c'est que quand Bowie a un but, il va tout faire pour atteindre son but, même quand en fait s'il n'en est pas capable, il va apprendre lui-même, il va s'auto-éduquer, et il y aura toujours cette idée de création de son propre style, création de soi. Je vais écouter rapidement un petit extrait de ce premier album pour que vous voyez un petit peu le côté cabaret, donc ça s'appelle Rubber Band.
On entend les arrangements orchestraux avec des instruments à vent. Et puis, il y a cette voix, déjà notable, mais encore un petit peu timide. Il a un vibrato qui va perdre par la suite, un petit peu de crooner mal assuré, qui sera beaucoup plus assuré dans les extraits suivants. Ce qui est notable quand même à la fin des années 60, même si il ne rencontre pas encore le succès, c'est sa rencontre avec Lindsay Kemp, que vous voyez à gauche, qui est son professeur de mime et de théâtre. Et Lindsay Kemp, au-delà de l'introduire un petit peu dans la culture queer, ce qu'on appellera plus tard de manière plus générale la culture LGBT, Lindsay Kemp va l'initier au monde de l'art scénique, sur comment se mouvoir sur scène, comment incarner un personnage et comment se maquiller. Ça, c'est très très important parce que par la suite, Bowie va devenir un artiste qui est synonyme de maquillage, de costume, de théâtralisation de la musique. Et donc ça, ça vient au départ de Lindsay Kemp. Et on le voit d'ailleurs à droite avec son premier maquillage pour le cours de Lindsay Kemp, en sorte de Pierrot un petit peu triste. La deuxième rencontre très importante de l'époque, c'est Mark Bolan. Mark Bolan, que vous connaissez peut-être sous le nom de T-Rex, puisque c'est l'auteur, compositeur, guitariste, chanteur du groupe T-Rex, qui est l'un des... Enfin, on peut considérer que c'est l'inventeur de ce qui deviendra le glam rock. À cette époque, les deux artistes sont tous les deux fans des Small Faces, des Who et des Beatles, et tous les deux se lancent dans la musique. Mark Bolan est plutôt dans le style folk, psychédélique, hippie, mais ils échangent beaucoup, et en fait, ça sera les deux chefs de file de ce qu'on appellera plus tard le glamour rock, le glam rock. La troisième rencontre importante, c'est Tony Visconti, que vous voyez à gauche. Et c'est un nom que je vais beaucoup utiliser dans la conférence, parce que Tony Visconti, qui est bassiste, mais aussi producteur, je vais expliquer ce que ça signifie dans le cadre de Bowie, va l'accompagner tout sa carrière. C'est le seul collaborateur qu'on va revoir très régulièrement dans la carrière de Bowie, et c'est un producteur au sens large, c'est-à-dire que c'est le directeur artistique des sessions de studio, c'est lui qui va aider Bowie en studio à enregistrer de la musique, c'est lui qui va l'aider dès qu'il est dans une impasse artistique, c'est lui qui va l'aider pour faire du montage sur bande magnétique puis sur ordinateur plus tard, c'est lui qui va aider quand il manque un instrument et que Bowie ne sait pas le jouer, bah, Tony Visconti va s'en charger. Alors il est d'abord bassiste mais il peut jouer d'autres instruments. C'est un petit peu l'homme à tout faire qui est aussi l'homme de l'ombre, puisqu'on le connaît mal, Tony Visconti, on connaît parfois son nom mais on connaît pas tellement son visage, parce qu'il est toujours en studio et pas sous le feu des projecteurs. Et pourtant, c'est un collaborateur très important, c'est lui notamment qui va produire le premier véritable, enfin, il en fallait un, tube de Bowie, qui sera Space Oddity, la fameuse chanson qui, au-delà du fait d'être très réussie musicalement, parce que vous allez voir, il y a une... Enfin, vous la connaissez certainement, mais il y a une progression assez grandiose qui part d'une musique assez folk avec guitare acoustique et en même temps avec des ingrédients psychédéliques, avec des effets sonores et une création de monde musical un petit peu extraterrestre avec beaucoup d'effets. Et il y a une structure alambiquée qui emprunte un petit peu à ce qu'on appelle le rock progressif. Si vous connaissez à cette époque, vous avez King Crimson, par exemple, qui sort son premier album. Donc il y a des éléments qu'on retrouve. Mais c'est aussi une chanson qui bénéficie du fait qu'il y a l'alunissage au même moment. Et donc elle se trouve très à propos et elle va fonctionner aussi en termes d'actualité. Donc, je vous fais écouter un petit peu Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grip. Alors je me permets une petite remarque à la régie si c'est possible, parce que là en fait on n'a qu'une voix des deux canaux de la stéréophonie, donc il manque le décompte pour les fans de Bowie. Vous aurez remarqué qu'il manquait le 10, 9, 8, etc. Alors si c'est pas possible, moi je peux passer en mono sur la machine, vous me dites. Donc cette chanson, elle commence comme une balade un petit peu tranquille, et puis au fur et à mesure elle évolue vers des contrées beaucoup plus psychédéliques avec des nappes de mélotron, qui est ce clavier très utilisé à la fin des années 1960. C'est un clavier où quand on appuie, ça lance une bande magnétique, l'ancêtre de la cassette, hein, une bande magnétique sur laquelle est enregistré un son préenregistré en général de cordes, de flûte ou de chorale. L'idée en fait c'est quoi ? C'est de recréer un orchestre
miniature. Donc c'est l'ancêtre du sampler, hein, c'est-à-dire c'est un échantillonneur et on recrée l'impact d'une musique orchestrale mais avec juste un clavier à une époque où on n'a pas encore tous les synthétiseurs, tous les plugins et tous les ordinateurs d'aujourd'hui. La dernière rencontre importante quand même de la fin des années 60, c'est évidemment Angela Barnett qui va devenir Angie Bowie, qui va devenir sa femme et la mère de son premier enfant Duncan. Angela ne va pas avoir tellement d'influence musicale sur Bowie, mais par contre une grande influence humaine dans le sens où ça sera sa première fan. Elle va vraiment l'encourager dans tous ses choix, dans toutes ses décisions. À chaque fois qu'il doute, qu'il a l'impression que non, ça ne marche pas, il sera là pour dire « mais non, c'est vraiment ça, c'est toi, tu vas être le prochain superstar, c'est évident ». Et elle va l'accompagner aussi dans tous ses choix de look. C'est-à-dire qu'à chaque fois, non seulement Bowie va changer de look, mais Angie aussi. Par exemple, vous voyez ici à gauche un look très très hippie. On est dans l'époque Woodstock, l'époque où on aime bien se mettre dans la boue et écouter de la musique en fumant un petit peu de cannabis. Et puis, quelques années plus tard, un look beaucoup plus glam rock, beaucoup plus apprêté, beaucoup plus maquillé, un peu dandy aussi, un peu hautain presque. Seulement 4 ans plus tard, avec des coupes de cheveux, des vêtements et des postures tout à fait différentes. À partir de cette époque, Bowie va quand même avoir l'idée de créer une synthèse un peu plus personnelle. Il faut bien se rendre compte qu'au début des années 70, les Beatles n'existent plus. Donc en Angleterre, il y a une place vacante pour une musique à la fois très adolescente et en même temps très adulte dans sa conception. Souvenez-vous, les Beatles, à la fin des années 60, ils ont sorti quand même Sgt. Pepper's, l'album blanc, Abbey Road, des albums qui sont à la fois très accessibles parce qu'il y a des tubes, il y a des singles à succès, mais aussi très intéressants, très expérimentaux, très novateurs en termes de manipulation de studio, en termes d'arrangements orchestraux avec beaucoup d'instruments qui ne viennent pas du rock. Donc il y a un créneau un petit peu libre quand même au début des années 70 là-dessus, et Bowie va l'occuper. Alors évidemment ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne va pas d'un coup se dire bah, maintenant je vais composer des tubes, mais c'est l'idée de créer quelque chose d'un peu différent de ce qui est à la mode. Il suivait les modes à la fin des années 60. Au début des années 70, il va commencer à les créer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire en l'espace d'un an. C'est l'année 71 qui est charnière, où il va être en fait inspiré de plein de choses éparses, différentes, a priori qui n'ont pas grand-chose à voir, et il va les mélanger pour créer une synthèse tout à fait propre. D'abord, il a le coup de foudre, on pourrait dire, avec le rock expérimental du Velvet Underground, le groupe de Lou Reed dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, j'ai pas mis l'image, mais vous connaissez certainement la pochette avec la banane jaune sur fond blanc qui est créée par Andy Warhol. Et le Velvet Underground, c'est un groupe qui représente vraiment le rock dangereux, un peu sordide et tout à fait new-yorkais. Il va découvrir les Stooges, le groupe d'Iggy Pop, et également une autre future superstar en devenir, qui représente l'aspect, encore une fois, dangereux de Détroit cette fois. Il va s'intéresser au cinéma. Une grande révélation, c'est Stanley Kubrick. Alors, on peut le deviner pour Space Oddity, puisque Stanley Kubrick vient de sortir en 1967, si je ne m'abuse, Space Odyssey, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui va inspirer notamment le clip de Space Oddity. Mais il s'intéresse aussi à Orange Mécanique, qui vient de sortir. Il s'intéresse à ce monde un petit peu d'anticipation, dangereux, avec des gangs, avec des costumes particuliers. Et puis il va lire, Bowie va beaucoup lire, même s'il a fait en fait peu d'études. Bowie, il a fait le début d'une école artistique, mais en fait il l'a très vite abandonné, c'est pas un scolaire. Par contre, c'est un très bon autodidacte, ça je vous l'ai dit, et il lit beaucoup beaucoup. Et donc il va lire Oscar Wilde, il va lire Huysmans, il va lire de la science-fiction, il va lire la Beat Generation, vous savez, les William Burroughs, les Jack Kerouac, les Allen Ginsberg, tout ça va faire partie de ce qu'il accompagne pendant un an. Et musicalement, il y a un acolyte qui va le rejoindre, qui va beaucoup l'aider pour mettre forme à toute cette synthèse d'influence, c'est Mick Ronson. Guitariste, évidemment, mais aussi grand arrangeur, grand orchestrateur. Il est capable, lui, facilement d'imaginer des mélodies pour des violons et de les écrire sur partition et de les faire jouer à des musiciens de studio. Donc Mick Ronson, non seulement ça va être un bon binôme, on pourrait dire, sur scène, ils ont une grande présence tous les deux ensemble, c'est le guitariste. Et souvent, dans un groupe de rock, on a tendance à considérer le chanteur et le guitariste comme les deux stars, donc il y a quelque chose d'important aussi en posture visuelle et en posture hiérarchique. Mais c'est aussi un co-compositeur, un co-arrangeur qui va apporter beaucoup d'idées. Il joue un petit peu en plus de piano, ce qui va donner des idées à Bowie, qui va s'intéresser à l'instrument. Mick Ronson, on peut aussi l'associer à cette grande série de guitare héros. Il est fan de Jeff Beck, de Jimi Hendrix aussi, et il se situe dans cette lignée de guitaristes qui à la fois excellent à la rythmique, c'est-à-dire pour faire des accords, vraiment, et aussi en solo.
tout simplement. Et grâce à ce Micronson, mais pas seulement, aussi grâce à toutes ces influences bien digérées, on va entrer dans la deuxième phase de Bowie, qui est certainement aujourd'hui, en termes de culture pop, la plus importante et la plus marquante, celle du glam rock. Le glam rock, vous l'imaginez bien, ça veut dire le glamour rock. À l'époque, on l'appelle aussi le glitter rock, c'est-à-dire le rock à paillettes. En tous les cas, que ce soit le rock à paillettes ou le rock glamour, on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose de très visuel, de très sensuel, de très séduisant dans cette mouvance du rock, et on le voit même aux pochettes. Ça donne naissance à trois albums majeurs que vous connaissez certainement, parce qu'ils recèlent deux tubes, et puis les pochettes sont marquantes, on peut dire qu'elles sont iconiques. Vous avez Hunky Dory en 71, je vais faire l'abréviation Ziggy Stardust en 72, Led Insane en 73, et puis l'album de reprise Pin-Ups. En particulier, Aladdin Sane, on connaît tous cette pochette dont une autre photographie de la même session a été utilisée pour l'exposition, d'ailleurs qui a eu lieu il y a quelques années en France, et puis à Londres évidemment aussi. C'est là où Bowie change de look, et il expérimente, vous allez voir les différentes étapes, mais ce qui est certain, c'est qu'on le voit dès maintenant, on commence à avoir un jeu certain entre les codes masculins et féminins. Le glam rock, c'est aussi ça, c'est l'idée que... Qu'on soit une fille ou un garçon, ça importe peu, et même si on ne sait pas trop qu'on est une fille, qu'on est un garçon, qu'on ressemble à une fille ou qu'on ressemble à un garçon, c'est pas important. C'est presque mieux parce que ça veut dire que les vieux, enfin les anciens, vont être un petit peu perdus. Là, je cite une chanson de Bowie, en fait, à demi-mot. Hein. Il y a, dans Rebel Rebel, il dit que ta mère est perdue parce qu'elle ne sait pas trop si tu es un garçon ou une fille. Donc c'est l'idée de naviguer un petit peu entre les genres. Une problématique qui est très actuelle encore, depuis Lady Gaga qui l'a remis un petit peu à la mode, et puis tout ce qui se rapporte aux communautés LGBT, évidemment. Ça n'a pas été inventé par Bowie, mais en termes de culture pop, ça a été visibilisé en Angleterre par Bowie. Ça joue aussi sur d'autres points, ça joue aussi sur les tabous. Bowie, à cette époque, va adopter des looks beaucoup plus féminins. Là, par exemple, on le voit s'inspirer de Marlène Dietrich, Greta Garbo, des grandes actrices hollywoodiennes des années 40 et 50, pour avoir cet air très apprêté. Et alors, on note non seulement outre les cheveux, le maquillage naissant, et puis les poses. Bowie devient de plus en plus à l'aise face à un objectif de photographie, et ça c'est notable parce que dans le rock, certes, on a toujours eu des photos de groupe. Oui, les Beatles posaient et étaient pris en photo, mais c'était plutôt l'idée de retranscrire l'impact d'un groupe, d'un gang, d'une bande de copains dans un lieu lambda, une forêt, des parpaings ou un lieu abandonné. Il n'y avait pas forcément de questionnement esthétique sur ce que c'est que la photographie d'un groupe ou d'un artiste rock. Chez Bowie, ça change considérablement, la photo devient très importante, de même que la pochette d'album, tout ça, ça fait partie d'un packaging, en fait, un emballage véritablement pour la musique. Et c'est notable parce que ça veut dire que la musique, c'est fondamental évidemment, mais tout ce qu'il y a autour va l'être tout autant. Tout ce qui est donc photographie, pochette et clip. Par exemple, le clip de Life on Mars, réalisé par Mick Rock, va montrer Bowie sur fond blanc, très maquillé, très apprêté. Et alors c'est en 73, hein, là j'ai passé 2 ans. Et vous allez voir plusieurs choses. D'abord qu'il s'est largement inspiré du cabaret et de la comédie musicale pour créer des chansons largement sur piano, avec toutes les sophistications que ça implique, avec des pianistes qui vont l'aider à avoir beaucoup plus de raffinement mélodique. Là, par exemple, c'est Rick Wakeman, le claviériste de Yes, qui va jouer sur Life on Mars. Mais vous allez voir aussi son allure, sa posture et son maquillage presque outrancier, on pourrait dire, mais qui va beaucoup marquer le cœur des adolescents et des adolescentes à cette époque. Alors, c'est un clip remanié, j'en ai profité pour vous mettre la version qui a été remontée en 2016, parce qu'elle est en meilleure qualité et on voit encore mieux le maquillage. Donc, je me disais que pour la conférence, c'était d'autant mieux. Alors, vous l'avez vu, on le voit très bien d'ailleurs, comme ça switch régulièrement entre noir et blanc et couleur, la couleur est évidemment très importante. On peut l'expliquer par les goûts de Bowie, évidemment, mais aussi tout simplement parce qu'on commence à voir de plus en plus la télévision, quand même, dans les chaumières, et cette télévision va jouer un rôle important, pas primordial, mais important dans la visibilité de cette musique pop. Et pour Bowie, ça va être l'occasion de se montrer
et de s'inviter dans le cœur des adolescents et des adolescentes. Et vous avez beaucoup de gens qui ont donc 15 ans en 72-73 qui vont découvrir ce Bowie à l'écran de télévision. Et là où c'est notable pour eux, c'est que, évidemment, le sentiment adolescent qu'on ressent tous à cet âge-là, c'est le fait de ne pas s'intégrer ou d'être différent ou de se sentir agacé par les adultes qui ne nous comprennent pas. Il y a toujours ce sentiment un petit peu d'aliénation légère, mais d'isolement, en fait. On ne se sent pas tout à fait compris. Bowie va absolument résumer tout ça, mais avec des paillettes, avec une forme de dépassement de tout ça pour justement assumer d'être marginal, d'être différent, de ne pas ressembler aux autres. Et ce n'est pas grave, c'est justement notre fierté. Donc ça veut dire que tous les gens qui se sentent un petit peu marginaux à 13, 14, 15, 16 ans à cette époque, quand ils voient Bowie à la télévision, ça va être un grand chambardement parce qu'ils vont se dire « Ah mais en fait j'ai le droit d'être différent, c'est quelque chose qui est permis dans la société ». Alors en vérité ça l'est et ça ne l'est pas, puisque Bowie, il va être un petit peu critiqué par les anciennes institutions. Par exemple, en 71, il va dire qu'il a toujours été homosexuel dans le Melody Maker, un journal anglais, alors qu'il est marié à une femme, et du coup, ça ouvre le champ des possibles. Alors, est-ce qu'il est bisexuel, ce genre de questionnement? En fait, peu importe quelle que soit l'orientation sexuelle de Bowie, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il joue avec ça et qu'il en parle. Dans un pays où ça fait seulement 4 ans, puisque c'est 67, il me semble, que l'homosexualité est dépénalisée. Donc, il faut imaginer que, oui, il y a de la provocation, oui, c'est pour faire parler de lui, oui, c'est un espace publicitaire, mais c'est aussi l'idée de parler d'un tabou et de faire un petit peu progresser la société là-dessus. Donc, ça allie les deux. Et Bowie, d'ailleurs, s'en cache pas. Il y a vraiment aussi l'idée de faire un coup publicitaire pour faire parler de lui. D'ailleurs, pourquoi il devient une superstar? Alors, vous avez vu dans Life on Mars cette évidence mélodique avec le refrain qui explose comme une superbe comédie musicale. Mais il y a aussi son manager qui a remplacé Kenneth Pitt, qui est Tony DeFries, ou DeFries, qui est une sorte de caricature avec manteau en fourrure, gros cigare, et qui, en fait, adopte une posture toute simple. C'est que pour être une star, il faut se comporter en star. Donc il va commencer par s'endetter largement, payer des limousines, du champagne, avoir toujours un entourage qui entoure Bowie. Et en fait, l'entourage, ce sont des gens qui viennent de New York, qui sont des amis d'Andy Warhol. Et l'idée, c'est de faire comme si Bowie était déjà une star. Et donc, quand les journalistes voient arriver ce type avec les cheveux en plus rouges maintenant, en limousine, avec du champagne à foison, ils se disent « Oh là, mais ça doit être quelqu'un d'important, il faut absolument qu'on couvre son concert, il faut qu'on l'interviewe, etc. Il faut qu'on écoute sa musique. » Alors, il y a tout un concours de circonstances qui fait qu'il va avoir du succès, mais cette publicité forcée, en quelque sorte, va clairement fonctionner à une époque où, de toute façon, on achète beaucoup plus de disques, où il y a beaucoup plus de musique pop et rock à la radio, donc il y a une place laissée vacante par les Beatles. Mais disons que ça rend bien compte que, oui, il y a le talent, et oui, il y a aussi le calcul. Et très clairement, Bowie, ça a toujours été un très bon carriériste, en fait. Il est très très bon pour gérer sa carrière, comme d'autres artistes par la suite. On peut citer Madonna, Prince, Björk aussi, des artistes qui gèrent très très bien leur carrière, leur catalogue et leur promotion. Et donc Bowie en fait partie. Là on le voit par exemple sur le plateau de Top of the Pops, dont je vais vous passer un extrait si ça fonctionne, mais on remarque surtout les tenues. Et là on commence à avoir des combinaisons qui sont au départ inspirées de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, vous savez, les droguises, qui sont donc ces voyous fascinés par l'ultra-violence. Chez Kubrick, ils ont des combinaisons toutes blanches avec des petits chapeaux et des chaussures un peu de catch. Alors Bowie va reprendre cette idée de combi, de chaussures de catch, mais beaucoup plus colorées, avec quelque chose beaucoup plus kaléidoscopique et des coiffures, pour le coup, dont il va prendre les idées dans des magazines de mode. Donc je vous parlais de cette idée de prendre des choses à droite, à gauche et de les mélanger. Bah, il s'inspire de la mode, du cinéma, mais aussi de styliste. Là, à gauche, par exemple, on le voit porter une création de Kansai Yamamoto, qui est un designer de Tokyo. Alors, c'est évidemment une tenue qui, au départ, était pensée pour femmes, mais Bowie fait fi des Candy Raton et porte évidemment des tenues d'hommes, de femmes, en fait, et de tous les autres, comme il aimait le dire. Donc, c'est pas genré. Et on commence à avoir de plus en plus, en fait, une image un petit peu alien. On utilise souvent cet adjectif pour Bowie. Ça s'explique par bien des choses, par le fait que dans l'album Ziggy Stardust, il va parler d'une sorte de messie qui va sauver la planète grâce à ses chansons rock. Et ce messie viendrait d'une autre planète, donc ça serait un extraterrestre. Il y a cette idée-là. Il y a aussi, en termes de look, il commence à avoir une coiffure qui n'est pas du tout à la mode à l'époque. Les cheveux en l'air, courts, longs derrière, colorés,
Pensez qu'on est à l'époque de Led Zeppelin, par exemple, de Queen. En Queen, en 72, ils ont un look cheveux longs, vraiment un peu bohème, libre, quoi, post-hippie, on pourrait dire. Bowie, c'est le seul à avoir ce genre de look. Et puis, alors, en plus, il va jusqu'à se raser les sourcils, ce qui augmente le caractère un petit peu alien, extraterrestre de son look. Je vous parlais de l'impact de la télévision. Je vais quand même vous passer un extrait du Starman, qui est une grande chanson de Ziggy Stardust, et qu'il a joué à Top of the Pops. Top of the Pops, c'est l'émission qui rassemble les meilleures ventes de singles. Et en fait, ça a l'air de rien, mais dans cette émission, il va enlacer son guitariste, il va montrer du doigt la caméra pour s'adresser directement aux adolescents et aux adolescentes. Et donc, il y a une connexion qui se crée en fait grâce à cette performance. Et alors, outre les superbes roues flaquettes du bassiste, vous aurez remarqué quand même cette avalanche de couleurs et puis cette petite malice quand même dans les yeux de Bowie qui ose jouer avec la caméra. Encore une fois, une époque aujourd'hui où on a des télécrochets qui vantent tous ces mérites-là. En fait, à l'époque, c'est hyper rare. Vous avez peu d'artistes qui vont chanter leurs chansons à la télévision et puis s'intéresser à l'œil de la caméra. En ça, Bowie est assez précurseur. Et évidemment, ça marquera toutes les années 80. Michael Jackson, Prince et puis Madonna, évidemment. En termes de... Je vous parlais des concerts. Hein. Je vous avais dit que ce qui va participer au succès, c'est évidemment les grandes tournées. Alors, non seulement en concert, il va jouer ses chansons, il va aussi avoir beaucoup de costumes, c'est-à-dire qu'il y aura des changements de costumes d'une chanson à l'autre, ce qui, encore une fois, n'était jamais vu à l'époque, sauf certains d'entre vous connaissent peut-être Genesis, le groupe de Peter Gabriel. Il y avait juste Peter Gabriel quand même qui osait incarner des personnages à cette époque, mais c'est juste que Peter Gabriel, il avait tendance plutôt, et ce qui lui allait très très bien d'ailleurs, à raconter des histoires, et donc il incarnait des personnages pour raconter des histoires à la manière d'un mini-opéra. Chez Bowie, c'est pas ça, c'est à chaque fois Bowie qui se projette en tant que Bowie, mais une sorte de messie rock, de sauveur du rock. Donc il y a cette idée un peu presque mégalo en fait qu'il n'y a pas chez Peter Gabriel, et c'est pas tout à fait le même rapport au soi et à la scène. Et donc il y a aussi des provocations, par exemple là quand il vient mimer un acte un petit peu sexuel et torride sur la guitare de Mick Ronson, ça va beaucoup faire parler. Encore une fois, c'est à la fois calculé et authentiquement spontané, c'est-à-dire que Bowie se lâche sur scène, et en même temps il y a cette idée de vouloir faire réagir absolument. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu, donc je vais passer sur l'extrait de Moon Age Daydream, mais c'est pour vous dire qu'évidemment, si vous n'étiez pas là à la projection juste auparavant, il existe un grand document qui est le Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, The Motion Picture, qui est en fait le concert filmé de juillet 73 par Penn Baker, le réalisateur de Don't Look Back sur Bob Dylan, qui rend bien compte de ce que c'est qu'un concert de Bowie. Et on voit même qu'à certains moments, en fait, il va intégrer du mime. Alors, il n'y a pas vraiment de chorégraphie au sens où il n'y a pas de danser, des pas particulièrement précis sur une chanson, mais par contre, il y a des intermèdes où pendant que Mick Ronson va faire un solo, par exemple, hop, il va avoir des petits mouvements de mime avec des petites choses toutes simples dérivées de ce qu'il a vu avec Lindsey Kemp. Encore une fois, même si c'est embryonnaire, on voit ce qui deviendra la norme plus tard dans les années 80 avec le fait d'accompagner toujours sa musique par des chorégraphies. Je vous l'ai dit, il devient une star en Angleterre, et il fait parler de lui aux États-Unis, à tel point en fait que David Bowie, c'est l'homme à avoir dans ses crédits pour faire vendre. Ça devient un synonyme de bonne recette commerciale. Il y a des maisons de disques qui vont s'en servir pour relancer des carrières. Alors notamment Mott The Hoople qui va solliciter Bowie pour qu'il lui compose une chanson. Il va composer le célèbre All The Young Dudes, qui existe aussi dans une version de Bowie d'ailleurs. Et surtout, plus important, car plus influent sur Bowie, Lou Reed et Iggy Pop. Lou Reed, qui est son héros du Velvet Underground, va renaître de ses cendres sous la forme d'une carrière solo avec Transformers. Et Transformers, si vous connaissez, c'est l'album où il y a Walk on the Wild Side, où il y a aussi Vicious, Satellite of Love, plein de tubes qui sont vraiment très inspirés par le glam rock. Et c'est normal, puisque l'album est coproduit, co-arrangé par David Bowie et Mick Ronson. Donc c'est vraiment une association assez féconde. Et en fait, Lou Reed, à partir de cet album, va avoir une carrière solo, celle qu'on lui connaît, avec des albums majeurs comme par exemple Berlin, qui est l'album suivant, où là, pour le coup, c'est beaucoup lui qui a tout créé. Iggy Pop, des Stooges, qui d'ailleurs vient de ressortir un album, là, très récemment, terminer sa carrière avec les Stooges, avec Raw Power. Alors là, Bowie va servir de mixeur. C'est lui qui va mixer l'album, dans un mix un petit peu critiqué, d'ailleurs. Mais il n'empêche que c'est très important, parce que ça veut dire qu'il y a un pont là, qui se crée entre Bowie et ses propres influences, et aussi entre l'Angleterre
et les États-Unis. Et ça tombe bien parce que Bowie, en fait, il a créé son personnage de Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, c'est une sorte de double, c'est le messie venu sauver la planète. Ziggy Stardust, quand il va aux États-Unis, ça devient Aladdin Sane. Donc, et à chaque fois, Bowie, déjà, c'est pas son vrai nom, mais même quand il est sur scène et quand il fait des chansons, il va recréer des personnages. Il y a cette théâtralisation constante. Au bout d'un moment, il atteint un tel niveau de théâtralisation que les journalistes, les fans, l'interpellent comme Ziggy. C'est plus Bowie qui vont voir, c'est Ziggy. Donc il y a une sorte de perte de repère par rapport à la normalité, à qui il est vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'il va devenir foufou, mais simplement il va s'en lasser. Parce que Bowie, vous allez voir dans le parcours, il se lasse très très vite. Et cette idée que si on commence à associer Bowie à toujours avoir un nouveau personnage, c'est que ça y est, c'est une routine. Or Bowie, il aime beaucoup de choses, mais il n'aime pas la routine. Donc à partir de 73-74, il va s'aborder son groupe, les Spiders from Mars, avec Mick Ronson et les Woody Woodmansey et Trevor Boulder, qui étaient présents sur la photographie précédente. Ils vont être virés du jour au lendemain. Et ça, c'est très Bowie-ien, pour le coup, c'est pas toujours très très poli, et c'est un petit peu vexant. Mais simplement, pour son album suivant, il ne va pas les rappeler. Et donc, ils ne seront même pas au courant que Bowie entame un nouveau projet. Et ce projet, en fait, il le veut nouveau. Il veut un petit peu aller voir ailleurs. Donc, il va se détacher complètement du glam rock, ce rock glamour où on joue avec les codes masculin-féminin, où on fait de la pop léchée avec des orchestres, pour se diriger vers les États-Unis. Les États-Unis qui ont toujours compté pour lui. Parce que quand il était petit, outre Coltrane et Dolphy dont je vous ai parlé, il écoutait beaucoup James Brown, par exemple, Aretha Franklin, des sommets de la soul et du funk. Et puis, à cette époque, il commence à découvrir le label Philadelphia International, qui est un label disco. Parce que c'est à cette époque, en 73, hein, on considère que c'est le début de la musique disco. Et c'est évidemment un genre qui est complètement états-unien et évidemment afro-américain. On pourrait ajouter qui rassemble les communautés latino-américaines, afro-américaines et les communautés LGBT, gays, bi, trans et lesbiennes. Et donc, il va s'intéresser à cette culture à tel point qu'il va déménager à Los Angeles. Pendant un an et demi, il va à Los Angeles et il ingurgite toute cette musique pour donner naissance à... Alors, le premier, il n'est pas fait à Los Angeles, mais le second, Young Americans, va être enregistré aux États-Unis et c'est un album qu'il considère comme étant un album de plastic soul. Alors, la plastic soul, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une soul de plastique, ce qui est assez intéressant parce que la soul, ça veut dire quand même âme. Quand on fait une musique soul, on fait une musique pleine d'âme, donc chaleureuse, avec beaucoup de profondeur. Aretha Franklin, c'est la championne de la soul. Si on fait de la soul de plastique, c'est qu'on transforme quelque chose qui est censé être très authentique, très chaleureux, en quelque chose de beaucoup plus artificiel. Donc, il y a à la fois un hommage, il y a un exercice de style, Bowie essaye de faire de la soul, mais il a bien conscience que lui, blanc d'Angleterre, biberonné aux Beatles, il ne va pas faire de la vraie soul. Mais il va essayer de donner une sorte de relecture à sa manière de la soul. Donc, resynthétiser ce que c'est que la soul en Angleterre avec ses musiciens. Alors, les musiciens qu'il embauche, ce sont des musiciens afro-américains, à l'exception de Mike Garson, qui est le seul rescapé de son ancien groupe. C'était le pianiste qui était issu du free jazz. Alors, en termes de look, vous voyez une métamorphose aussi, puisque on part du glam, à gauche il est encore glam, et puis au fur et à mesure, hop, quelque chose, j'allais dire, de beaucoup plus naturel. Alors évidemment, on ne croise pas forcément ce look-là, mais dans le parcours de Bowie, c'est quand même moins apprêté. Voilà, on pourrait dire ça. Là, vous le voyez aussi. Alors, ce qui est toujours intéressant chez Bowie, c'est que même quand il paraît plus normal, en fait, c'est quand même très très calculé. Mais vous remarquez aussi, alors ça c'est un petit peu... moins amusant, c'est qu'il maigrit encore plus, lui qui n'a jamais été gros. Donc cette période, pourquoi je dis ça, c'est que tout simplement c'est une période très noire, en termes de très sombre, en termes de vie personnelle. Il devient complètement isolé, et puis il prend beaucoup de drogue. Hein. Comme beaucoup d'artistes à cette époque, les 70s, c'est vraiment la décennie de la cocaïne, et donc lui ne déroge pas à la règle. Comme les Led Zeppelin, comme les Mick Jagger, etc., il va être plus ou moins addict, en fait. Et en plus, il va s'isoler dans sa villa à Los Angeles. Il va, alors pour l'anecdote, hein, son régime, d'après son assistante à l'époque, c'est poivron, lait, cocaïne. Donc forcément, c'est pas très bon pour la santé, ne le faites pas chez vous. Lui, il le fait pendant quelques semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que, bon, déjà, il devient beaucoup plus faible et frêle physiquement, mais il devient aussi beaucoup plus paranoïaque. Et ça lui donne en fait des envies de...
il commence à se fasciner pour des choses un peu étonnantes qui lui valent d'être assez critiqué à l'époque. Il se fascine pour l'occultisme, pour Aleister Crowley, pour la magie, aussi pour la quête du Graal par les nazis, enfin pas par les nazis eux-mêmes, hein, mais le fait que les nazis recherchaient le Graal. Bref, il fait comme toutes les rockstars qui prennent de la cocaïne, il commence à dire des choses un petit peu critiquables et surtout qui ne font plus tellement sens. Là où c'est intéressant et fécond artistiquement, c'est qu'en fait, il va puiser dans tout ça pour créer des paroles de plus en plus cryptiques, qui sont de moins en moins accessibles, mais qui témoignent aussi de son mal-être profond. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait sur une musique qui est beaucoup plus dansante et funky, en fait. Donc, il y a ce rapport un petit peu antinomique entre les deux. Vous voyez à droite Carlos Alomar, qui va devenir son guitariste pendant plusieurs années. Carlos Alomar, qui a joué avec James Brown, qui est féru de funk, il a baigné là-dedans, de rhythm and blues. Et avec Carlos Alomar, vous aurez Denis Davis et George Murray, qui sont un batteur et un bassiste, qui seront les trois musiciens afro-américains qui suivront Bowie jusqu'au début des années 80. Ça va être vraiment son groupe fétiche, qui va certainement plus marquer sa musique. Vous les voyez ici, Alomar, Murray et Davis. Je vous passe un extrait de Right, qui est une chanson de Young Americans, pour vous montrer un petit peu le son funky développé par Bowie à cette époque. Donc vous voyez les choristes, on a tout le groupe afro-américain typique du R&B de l'époque, le rhythm and blues, le funk, la soul, avec deux parties, une balade assez suave et puis après la partie beaucoup plus funky. Il en profite durant son passage états-unien pour commencer sa carrière d'acteur, puisque Bowie fascine aussi les cinéastes. Alors il y en a peut-être qui étaient à la projection de The Man Who Fell to Earth, l'homme qui venait d'ailleurs, en français, qui a eu lieu cet après-midi, qui est l'un des premiers films de Nicolas Reeg. Et c'est un film de science-fiction qui suit les aventures d'un extraterrestre perdu sur Terre, pour faire simple. Et alors c'est un film très contemplatif, avec de très très belles images, puisqu'il a un passé de directeur de la photographie, le réalisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que Bowie ne va pas jouer, en fait. Il est tellement presque en dehors de lui-même à cette époque, il est encore sous drogue, hein, pas tout à fait sociable. Et donc, dans le film, il se contente juste d'apparaître, et c'est ce qui correspond absolument à l'idée que se fait le réalisateur de l'extraterrestre. C'est quelqu'un qui est complètement perdu, qui est tel un fantôme, qui navigue entre les humains, mais qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas vraiment se comporter véritablement de manière sociable. Là où c'est intéressant, c'est que c'est le premier film dans lequel joue Bowie, mais ce n'est pas le dernier. En tout, il tournera dans une vingtaine de films, à partir de 76 jusqu'aux années 2000, en gros. Alors, jamais des grands rôles, c'est le seul film avec Furio et Les Prédateurs. Allez, on va considérer qu'il y a trois films où il tient le rôle principal, mais globalement, il est plutôt relégué au second rôle, et c'est souvent l'homme un petit peu extraterrestre, le personnage un petit peu étonnant qui amène du mystère. C'est particulièrement vrai, par exemple, chez David Lynch. Il a un petit rôle dans Twin Peaks, le film Firewalk With Me, et c'est typiquement l'agent du FBI qui est un petit peu, qui n'est pas tout à fait avec nous, quoi. Et Bowie incarne bien ça, c'est toujours cette idée d'extraterrestre qui vient à l'époque de la cocaïne, mais de manière générale qui vient de son œuvre. Alors, je vous parlais de la fascination pour l'occultisme. Là, on le voit dessiner l'arbre de la vie, par exemple, à droite. Alors là, par exemple, c'est très mis en scène, hein, mais il le faisait vraiment dans sa villa. À Los Angeles, son assistante disait qu'à chaque fois qu'elle arrivait, il y avait des nouveaux dessins sur le sol, sur les murs, etc. Donc il y avait vraiment une sorte de fascination. Là, c'est recréé pour la session photographique. Et quand il revient en 1976 en Europe, parce qu'il va quitter quand même les États-Unis, il adopte une allure beaucoup plus sobre, mais c'est quand même un personnage, c'est le Thin White Duke, le duc blanc et maigre, enfin fin. Et c'est une sorte de personnage inspiré par toutes ces lectures de mystère, de cette fascination pour le fascisme aussi. Et donc c'est un personnage assez hautain, un peu grandiose, qui surplombe le public comme ça et qui vient pour délivrer sa musique comme une sorte de manifeste pour les masses. En termes de look, en revanche, chemise blanche, gilet noir, c'est beaucoup plus sobre. Et on entame en fait une phase qui va aboutir à son véritable retour en Europe, qui coïncide avec l'anonymat en studio. C'est-à-dire qu'à partir de 76-77, il se rend bien compte que la cocaïne, ça ne peut pas durer. Il s'en rend compte aussi quand il rencontre Iggy Pop là-bas, qui lui aussi a des problèmes de drogue et d'alcool. Et donc tous les deux, en bons copains, se disent « Ah ben voilà, peut-être que le meilleur moyen pour nous d'arrêter les mauvaises substances, c'est de retourner à un endroit où on sera moins tenté. » Et donc plutôt que Los Angeles, ils se disent « On va aller alors d'abord en France et ensuite à Berlin. » Ça marche et ça marche pas, c'est-à-dire qu'ils développent une addiction à l'alcool, mais c'est vrai qu'ils arrivent à arrêter plutôt la drogue.
Non mais, enfin bon, des baby steps comme on dit en anglais, c'est-à-dire des pas de fourmi. Mais n'empêche que Bowie va reprendre un petit peu du poil de la bête. Et surtout, ce qui est important artistiquement, c'est qu'en fait, il veut plus être une star. Il est devenu une star en Angleterre en 72-73. Il est devenu une star aux États-Unis grâce au tube Fame, qui est sur l'album Young American en 75. Et en fait, il en a marre, ça le fatigue. Et il se rend bien compte que c'est aussi dangereux pour sa santé, tout simplement sa santé physique et sa santé mentale. Donc quand il revient en Europe, le but c'est plutôt de faire la musique qu'il a envie de faire, le plus librement possible, et tant pis si ça marche pas, de toute façon il s'en fiche, il a déjà la popularité. Et c'est exactement ce qu'il va faire, il va s'enfermer en studio pour donner naissance alors particulièrement à trois albums, Low, Heroes, Lodger, qu'on rassemble souvent sous le nom de trilogie berlinoise, parce que l'essentiel de ces albums, en particulier Heroes, a été enregistré à Berlin. Et alors pourquoi Berlin ? Parce qu'on pourrait se dire qu'il pourrait être anonyme dans une campagne anglaise, ça suffirait. Oui, mais Berlin, il y a trois raisons. Déjà, il est fasciné par l'entre-deux-guerres berlinois, dans les livres de Christopher Isherwood, le cabaret berlinois, c'est quelque chose qui l'a toujours fasciné. Ensuite, clairement, c'est une ville où il y a une grande histoire, mais on sera moins à même de le reconnaître dans la rue, parce que les ventes de Bowie en Allemagne, elles sont honnêtes, mais elles sont bien moindres qu'en Angleterre et même qu'en France. Donc il est plus sûr de ne pas être, il est plus certain de ne pas être connu. Et enfin, et ça c'est le plus important musicalement, c'est qu'il se fascine pour tout ce qui est krautrock. Le krautrock, c'est tout le rock expérimental allemand des années 70. Alors, c'est un fourre-tout, mais dedans, on a des groupes aussi importants que Can, Neu, ou plus électroniques, Tangerine Dream, Kraftwerk. Et donc, ce sont des groupes qui ont deux points communs. Ils sont très répétitifs. Ils font une musique minimaliste et répétitive qui joue sur la trance, et ils utilisent beaucoup de synthétiseurs. Et donc, on entre dans la phase où Bowie va utiliser des synthétiseurs. Là, on le voit beaucoup plus incognito, on le voit même avec des claquettes, hein, il faut le dire. Chez Bowie, c'est une nouveauté. Avec Iggy Pop, beaucoup plus anonyme, beaucoup plus normal dans l'allure. Même à gauche, là, quand il apparaît à la télévision, on voit qu'il y a encore un petit peu d'eyeliner, un petit peu de maquillage, mais c'est beaucoup plus sobre, globalement. Avec Iggy Pop, ils feront des albums, hein, ensemble, sous le nom d'Iggy Pop, et Bowie fera les siens. Les deux albums d'Iggy Pop, c'est The Idiot et Lost for Life, et les trois de Bowie dont j'ai parlé, Low, Heroes et Lodger. Quand il s'enferme en studio, Bowie, l'idée, c'est qu'il veut expérimenter. Ce qu'on appelle expérimenter, en fait, c'est défricher des terres inconnues, c'est créer de la musique autrement. Auparavant, quand on est un artiste rock standard, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on a une démo. Une démo, c'est une base avec la guitare qui fait les accords, ou le piano qui fait les accords, et puis une mélodie avec des mots en yaourt qui vont devenir un véritable texte. Et puis après, le but, c'est d'arranger ça en studio, de transformer ça avec le groupe. À partir de 76-77, il résonne plus du tout de la même manière, Bowie. Il résonne de manière empirique. Il dit à son groupe, bah voilà, vous allez jammer. Jammer, vous savez, en anglais, c'est une expression, la jam session, c'est une expression qu'on pourrait traduire par faire un bœuf en français. C'est l'idée de, on fait tourner un motif et puis on joue tous ensemble pendant 10-15 minutes et puis chacun aura des petites idées à intégrer. Et donc, il enregistre tout ça avec Tony Visconti, vous vous souvenez, son producteur fidèle. Ils enregistrent tout ça et puis après, ils font du montage. Alors, je fais le signe des ciseaux parce qu'en fait, véritablement, à cette époque, on n'a pas d'ordinateur. Donc, pour faire du montage, il faut découper les bandes magnétiques, hein, les grosses bandes magnétiques, comme une pellicule de film, en fait. Et il faut rescotcher, regluer les moments qu'on trouve les plus appréciables et les plus cohérents. Et avec ça, en fait, il recrée des sortes de structures de chansons, mais ce n'est pas vraiment des couplets-refrains, c'est des structures un peu plus étonnantes, parfois plus courtes, parfois plus longues. Et par-dessus, ensuite, ils vont ajouter des couches instrumentales. Alors ça peut être de la guitare, du piano, mais ça peut être aussi du violoncelle, des marimbas, du vibraphone, des claviers, des synthétiseurs, beaucoup de synthétiseurs. Et une fois que tout ça est fait, enfin, Bowie se dit « Ah mais au fait, il faut que je chante. » Et c'est à ce moment-là qu'il se dit « Bon, bah, je vais écrire un petit texte, là, j'exagère, mais en 10-15 minutes, encore que j'exagère pas complètement, il y a certains textes qui sont vraiment quasiment... improvisé devant le micro. Ça veut dire qu'il attache beaucoup moins de sens à ce qu'il va dire, mais plus à la sonorité et à l'interprétation, la spontanéité. Donc c'est une manière beaucoup plus expérimentale de faire de la musique. Au final, on a toujours des chansons pop, mais un peu plus étonnantes, un peu plus bizarres, un peu plus inclassables, du fait de tout ce que je viens de dire, et aussi du fait qu'on a des sons électroniques qui se catapultent au son pop-rock. Donc on commence à avoir un hybride. Alors il n'est pas seul dans cette entreprise. Non seulement il a son groupe, mais il a aussi Brian Eno, que vous voyez, donc c'est le plus petit monsieur, hein, pardon, mais qui est à droite. Et Brian Eno, en fait, c'est un rescapé de Roxy Music. Roxy Music était un groupe glam rock assez expérimental, mais néanmoins glam. Et Brian Eno, en fait, il se lance après dans une carrière solo. C'est lui notamment, s'il y en a qui sont férus de musique atmosphérique, qui a créé l'ambiance
la musique ambient, ça s'appelle l'ambient. C'est une musique qu'on peut écouter ou ne pas écouter. C'est une musique décorative, un petit peu dans l'esprit de ce que faisait Eric Satie au début du XXe siècle. Donc c'est un champion des textures sonores, de créer des atmosphères sonores avec des synthétiseurs et les bandes magnétiques. Là, on le voit avec son petit chat. Et par la suite, Brian Eno sera le producteur qui va relancer la carrière de, de Bowie. Puis ensuite, il va travailler avec Talking Heads, et puis plus tard avec U2, et puis beaucoup plus récemment avec Coldplay. Et à chaque fois, en gros, il est devenu synonyme de « Ah, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on aille un petit peu ailleurs, on appelle Brian Eno ». C'est le monsieur, c'est le producteur qui va nous aider à avoir une nouvelle personnalité. Là, vous le voyez donc avec Tony Visconti et Edward Meyer qui ont travaillé avec lui en studio. Alors, on note la moustache de Bowie, l'absence de maquillage, le verre de whisky aussi. Et donc je vous fais écouter le résultat, c'est toujours de la chanson pop, mais il y a des choses un petit peu étranges dans le mix. Alors là, je ne sais pas si ça va passer, mais on va essayer. Alors après, c'est assez rigolo d'entendre avec un problème de stéréo, parce que là, le synthétiseur, en fait, il se balade de droite à gauche, il fait pim, poum, poum, et donc on utilise les potentialités de la spatialisation, et là, vous avez entendu que les deux premiers, puisqu'effectivement, le troisième ne sortait pas. Mais c'est pas grave, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choix de mix qui sont... assez étonnant quand même. Le synthétiseur est mixé très en avant, la voix elle est mixée très en retrait, et puis il prend une voix un petit peu comme ça, qui n'est pas du tout sa voix naturelle, parce qu'encore une fois, il théâtralise, mais il théâtralise de manière inhabituelle, qui ne ressemble pas du tout à ses années glam rock. Le groove, ce qu'on appelle le groove, c'est le caractère rythmique d'une chanson, le caractère dansant. Vous entendez la batterie qui sonne un petit peu futuriste. C'est parce qu'en fait, il s'amuse à ajouter des effets sonores sur des choses qui n'ont pas l'habitude de recevoir des effets sonores. Alors par exemple là, en gros, sur la caisse claire de la batterie qui est le tambour principal au centre, Tony Visconti a accordé un effet d'harmonizer qui va pitcher, c'est-à-dire changer la hauteur et le grave et l'aigu du son. Et donc, au lieu d'avoir un clac, on va avoir un cloc, qui va être beaucoup plus grave et donc beaucoup moins naturel. Donc ça transforme en fait la batterie en une sorte de batterie futuriste, un petit peu mécanique aussi. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup marquer tout ce qui est post-punk. Pensez à Joy Division, Suzy and the Banshees, Wire, The Cure aussi, dans une certaine mesure. Tous les groupes de la fin des années 70 qui vont essayer d'expérimenter avec ce genre de sonorité. On note aussi que cette façon de travailler, ça laisse la porte ouverte aux collaborations. Là, vous voyez par exemple à gauche Robert Fripp, qui est le guitariste et tête pensante de King Crimson, qui va venir pendant une journée à Berlin pour enregistrer toutes les pistes de guitare de l'album Heroes. Et c'est lui qui est responsable par exemple des textures sonores qui ressemblent à une sorte de souffle aérien à base de guitare saturée. Et donc, il empile les couches et puis après, ils font du montage. Donc, ils utilisent vraiment les instruments comme du matériau sonore. Par la suite, Bowie va pas se lasser, mais disons que va considérer que la collaboration avec Brian Eno a fait son temps. Donc Brian Eno a lui aussi de toute façon envie de faire d'autres choses. Donc il va continuer de son côté, mais il va continuer encore pour un album qui est Scary Monsters à faire cette musique à mi-chemin entre pop, rock, électronique. Mais c'est juste que sur Scary Monsters, c'est beaucoup plus pop dans le sens où il y a des couplets, des refrains et... ça donne lieu à un tube, ce qui n'était pas tellement le cas sur les trois albums précédents. Les trois albums précédents, on peut considérer qu'à l'époque, ce sont des échecs commerciaux. Il n'en vend pas beaucoup, c'est vraiment des flops, en fait, hein, tout simplement. Alors que sur Sky Monster, vous avez Ashes to Ashes qui va redorer un petit peu le blason commercial de Bowie. Je vous passe un extrait. C'est aussi pour lui l'occasion de renouer un petit peu avec ce qui l'a rendu célèbre, à savoir la théâtralisation. Alors là, il incarne tour à tour une sorte de double de son demi-frère qui avait fait des séjours en hôpital psychiatrique, mais il fait aussi un Pierrot un petit peu lunaire. Donc voici le clip. Alors très Bowie, le fait de s'auto-référencer, là il cite Major Tom, est un junkie. Major Tom, c'est le Major Tom de Space Oddity, donc le Major Tom qui est allé sur la Lune en 69, en fait c'était surtout un drogué. Alors ça, évidemment, il joue avec lui-même et la fiction de lui-même, mais ce qui est notable, c'est qu'il s'auto-référence. Ça, c'est une vision très, on dirait méta aujourd'hui, mais il y a de manière générale une vision post-moderne de l'art. C'est-à-dire que chez Bowie, il y a toujours cette idée de ultra-référencement des autres, mais aussi de soi-même. Et on le verra jusqu'à beaucoup plus récemment avec The Next Day. Alors, ce qui donne naissance à la cinquième phase, que j'ai appelée acteur et superstar, c'est... quelque chose de très trivial au départ, c'est qu'il se rend compte qu'il a été arnaqué par son manager, en fait. Et au début des années 80, Bowie, superstar, n'a plus un sou. Il a été arnaqué par Tony DeVries, qui, avec sa société Mainman, a redirigé tous les gains vers lui et pas vers Bowie. Et donc, au début des années 80, en fait, Bowie se rend compte de ça, il paye un avocat pour attaquer en justice son ancien manager, et
il se rend compte qu'il faut qu'il attende quelques mois avant de refaire de la musique pour toucher de l'argent dessus. Alors plutôt que de faire de la musique pour l'amour de la musique et ne toucher moins d'argent dessus ou d'aller voir un autre label, en fait il se concentre sur sa carrière du cinéma, déjà dans un premier temps. Et quand il revient, en fait il revient assez transformé. Alors on peut l'expliquer par plusieurs choses. Il a passé du temps avec son fils qu'il avait peu vu dans les années 70, donc peut-être que ça lui changeait un petit peu la donne humaine. Et il y a aussi qu'en fait les années 80, quand on réfléchit, c'est une période qui est difficile pour beaucoup d'artistes des décennies précédentes. Si vous regardez ce qu'ont fait par exemple les Rolling Stones, les Genesis, Paul McCartney, j'allais dire Paul McCartney, toutes les stars des années 60 et 70 qui traversent les années 80, en général, musicalement, on s'accorde à dire que ça devient beaucoup plus radiophonique et commercial au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que ça devient beaucoup plus standard et beaucoup moins innovant. Ça va être vrai chez Bowie. Alors, c'est sujet à débat, hein. Évidemment, on peut considérer que le Genesis des années 80, il est très innovant, mais en tous les cas, c'est plus les mêmes innovations. Chez Bowie, clairement, on se rend compte de deux choses. Alors oui, ça ressemble beaucoup plus à d'autres musiques qui existent déjà. Ça veut dire que ce qui faisait sa personnalité va être beaucoup réduit. Et la deuxième chose, c'est qu'il est beaucoup moins productif. Il a fait 13 albums en 10 ans. Là, il en fait 3 de 81 à 88. Donc, c'est beaucoup moins productif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément moins bien. Mais on remarque aussi qu'il traverse une période de doute. Par exemple, pour Let's Dance, il va rappeler Nile Rodgers. Nile Rodgers, c'est le musicien à l'origine de Chic. Vous connaissez tous Le Fric, c'est Chic ou Good Times. Donc Nile Rodgers, c'est l'homme qu'il faut avoir pour faire des tubes. Il vient de relancer la carrière de Diana Ross avec Upside Down, par exemple, à cette période. Et on pourrait considérer que c'est la deuxième vague disco Chic, en même temps que les débuts de Michael Jackson avec Off the Wall, deuxième vague disco. Et donc Bowie, il compose des chansons à la guitare et il contacte Nile Rodgers, qui est donc un musicien disco afro-américain, en lui disant alors, j'imagine, hein. Nile, s'il te plaît, fais-moi des tubes. C'est-à-dire qu'il, mais il le dit clairement en ces termes-là. Je voudrais que ça soit des tubes. Il faudrait que tu m'arranges ça sous forme de tubes, de choses qui plaisent, qui vendent. Parce qu'en fait, derrière, outre l'idée de reconquérir son public pour le plaisir d'être à nouveau populaire qui lui a manqué, il y a aussi l'idée de renflouer les caisses. Et donc, à l'origine de Let's Dance, ce qui en fait pas un mauvais album, hein, par ailleurs, mais il y a cette idée quand même de gagner de l'argent, très clairement. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, 5 ans auparavant, il voulait faire exactement l'inverse. Et donc, chez Bowie, chaque nouvelle période se construit en réaction, en opposition à la période précédente. Ça se voit aussi en termes de look, où là, il commence... Alors, encore une fois, il est toujours soigné, Bowie, hein, même quand il l'est moins, ou quand il est plus classique, mais il a une allure un peu plus rangée. Il fait moins extraterrestre, il fait moins alien. Et d'ailleurs, on remarque que lors des concerts, on va avoir de plus en plus de familles qui viennent. Et il va devenir un artiste familial. Et alors, Nile Rodgers, que vous voyez là avec la guitare, va pas l'accompagner sur scène. Il va prendre d'autres musiciens qui vont faire le rôle des musiciens de Nile Rodgers. Mais on aura quand même cette idée de créer une sorte de rhythm and blues disco pour les années 80, avec tout ce que ça suppose comme production artistique. Production artistique des années 80, on l'associe souvent à quelque chose d'un peu clinquant, c'est-à-dire avec des batteries qui claquent, qui ne sont pas forcément très naturelles en termes de sonorité, mais qui passent très bien en radio. Ça va avoir un énorme succès commercial, hein. Let's Dance, c'est sa meilleure vente. C'est la chanson la plus connue de Bowie en termes de vente. Et l'autre single le plus connu, c'est Space Oddity. Ça va avoir un grand succès, mais par contre, il va être de moins en moins crédible vis-à-vis de la critique. Et surtout, il va plaire à des gens qui sont moins fans de musique. Encore une fois, un public plus familial qui vient pour se divertir avant toute chose. Ce qui n'est pas un mal en soi. C'est juste qu'à posteriori, on se rend compte qu'en fait, à la même époque, il y a des gens qui font le même genre de show, vous allez voir, avec beaucoup de musiciens sur scène et de danseurs, le même genre de musique post-disco avec peut-être un peu plus d'innovation. Par exemple, Michael Jackson. À la même époque, vous avez Michael Jackson qui sort Thriller. Et en termes d'ingrédients, on a les mêmes. Et pourtant, Thriller de Michael Jackson a beaucoup plus influencé que Let's Dance. Donc, je vous passe quand même un extrait de Let's Dance en live. Et vous remarquez le fait que, oui, Bowie a toujours eu un grand succès. Là, il joue carrément dans des stades ou des arènes ou des immenses salles. Donc, c'est vraiment un grand divertissement. Et alors, ça le deviendra encore plus sur ses albums suivants. Il y a la tournée Glass Spider en 87-88, où on a carrément une énorme sculpture sur scène, très impressionnante. Donc, il y a quand même de l'innovation à cette époque. Il y a des danseurs et danseuses, de même qu'il y en a chez Michael Jackson et Madonna à la même époque. Donc, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler, nous, des shows à l'américaine, en quelque sorte, avec beaucoup de moyens, beaucoup de gens sur scène, de grosses infrastructures, des grosses sculptures et des grands décors. En termes je parlais du public familial, ça se voit aussi dans le choix des films dans lesquels il joue. Par exemple, là, vous voyez une photo de Labyrinthe,
qui est un film destiné à un jeune public, clairement un film de ce qu'on pourrait appeler de la fantasy, destiné à un jeune public, où il joue le méchant, bon, qui n'est pas si méchant d'ailleurs, entouré de petites créatures. Alors il compose la bande originale de ce film, mais ça montre à quel point Bowie, qui dans les années 70 représentait quand même un certain danger, alors certes glamour, mais il y avait quand même du danger, il y avait quelque chose d'étrange, d'extraterrestre, de tabou, de bizarre, c'était quand même toujours un marginal. Dans les années 80, pour le coup, c'est vraiment une star familiale très acceptée et peu remise en question. Ce qui est fascinant chez Bowie, c'est que même ça, en fait, il va le remettre en question. C'est-à-dire qu'il a tout. Hein. À 40 ans, il est richissime. Il a recommencé à avoir une sorte de lien quand même assez intéressant avec son fils. Donc il a renoué familialement, même s'il s'est séparé de Angela. Il est accepté partout, mais il commence à se lasser aussi en fait, de deux choses. Déjà, de sa musique. Sa propre musique l'ennuie, ce qui est terrible quand on est artiste quand même. Et la deuxième chose, c'est qu'il commence à se lasser du fait que tout le monde acquiesce à tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'auparavant, il avait des contre-pouvoirs. Il y avait des gens qui lui disaient bah non, ça c'est pas une bonne idée, on va faire autrement. Il y avait Brian Eno qui lui proposait d'autres choses. Là, en fait, tout le monde est à son service. Donc, au bout d'un moment, il y a cette idée que plus personne lui donne de la nourriture intellectuelle pour aller de l'avant. Et chez Bowie, il y a toujours cette idée, non pas de progresser, mais d'évoluer, de jamais être le même. Et en fait, contre toute attente, sa manière de renaître à la fin des années 80 et de réamorcer un nouvel âge d'or, qui sera celui des années 90, c'est de reformer un groupe. Exactement comme quand il avait 15, 16, 17 ans, il va former un véritable groupe. Ça veut dire qu'il va sortir deux albums sous le nom de Teen Machine. Pas David Bowie et Teen Machine, non, Teen Machine, qui est un quatuor, guitare, basse, batterie, chant, hyper standard, à une époque où les synthétiseurs et les boîtes à rythme font la loi. En fait, ce qu'ils vont jouer, c'est du rock un peu bluesy, un peu hard rock, mais quand même influencé par des choses qu'ils découvrent à cette époque grâce à Reeves Gabrels, qui est le guitariste à droite. Reeves Gabrels a 10 ans de moins, Bowie en a une quarantaine, Reeves Gabrels a une trentaine d'années. Et alors, il y a peut-être des gens qui connaissent les Pixies, Sonic Youth, Dinosaur Junior, et même dans une certaine mesure le rock industriel de Nine Inch Nails, des groupes qui sont clairement du rock, mais qui sont aussi assez expérimentaux, qui à l'époque représentent ce qu'on appelle l'underground, c'est-à-dire le circuit indépendant souterrain. Underground, c'est le souterrain. Ce sont des choses qui ne sont pas connues, qui ne passent pas en radio, mais qui vont se montrer a posteriori, on le sait, hein, très influentes. Sonic Youth, immense groupe, très influent, new-yorkais, qui utilise les guitares de manière très innovante. Et donc Bowie va s'intéresser à cette nouvelle garde, et ça faisait longtemps en fait qu'il ne s'était pas intéressé à ce qui se faisait. Ça faisait 10 ans qu'il ne s'était pas dit, mais qu'est-ce qui se fait en fait dans la pop et le rock actuellement qui est innovante? Et là, en fait, il va s'intéresser à ce rock alternatif, comme on l'appelle, pour créer alors une musique qui est beaucoup moins étonnante, mais n'empêche que ça va être le premier pas vers... alors, on voit quand même que c'est les années 80. Ah non, c'est 92 en plus, pardonnez-moi. Mais en termes de look, c'est moins innovant que Sonic Youth et ses modèles, mais c'est quand même le moment où Bowie va recomposer beaucoup, va retourner, va retrouver surtout le plaisir en fait, de composer, le plaisir de faire des albums. Et à nouveau, il va enchaîner en 1993 vers ce qu'on pourrait appeler comme un nouvel âge d'or où il va heurter son public. C'est l'idée de ne pas faire les choses qu'on attend de lui, faire des choses innovantes, différentes, et tant pis si ça plaît moins, c'est pas grave, de toute façon il n'a plus rien à prouver, hein, il approche des 45-50 ans. Cette période coïncide tout de même avec un renouveau humain, dans le sens où il rencontre et se marie avec Iman Abdulmajid, Imen, qui va devenir sa femme donc en 92 jusqu'à la fin de sa vie. Ça sera la mère de son deuxième enfant d'ailleurs, Alexandra Azaria Jones, qui est née en 2001. Et clairement, Iman lui apporte beaucoup de sérénité. À partir de là, il va avoir un style de vie beaucoup plus sain en termes de, bah, par exemple, les drogues, l'alcool, tout ça, c'est terminé. Et en même temps, et c'est là où c'est intéressant, comme Coltrane en son temps, Coltrane en 57, il s'est rendu compte que quand il a arrêté l'alcool, il est devenu beaucoup plus productif, beaucoup plus inventif. Et bien là, c'est pareil, il se rend compte qu'en étant heureux, en fait, ça ne le fait pas être moins intéressant artistiquement, parce que vous savez, on a ce culte, un petit peu ce mythe de l'artiste maudit, qui forcément, il faut qu'il soit misérable et triste pour faire des choses intéressantes. En fait, non, il se rend compte que ce n'est pas forcément vrai, et qu'on peut être tout à fait intéressé par son art et faire des choses innovantes, tout en étant parfaitement heureux et relativement serein. Donc il va sortir 3 albums à cette période, Black Tie, White Noise, Outside et Earthling, qui vont renouveler un petit peu le champ des possibles. Renouveler en ce qui concerne les collaborateurs, alors renouveler oui et non, parce qu'il va quand même rappeler Brian Eno, mais Brian Eno, je vous l'ai dit, c'est l'homme qu'on appelle quand on veut sortir d'une impasse. Et puis il va collaborer avec des gens de la nouvelle garde. Par exemple là, vous voyez Trent Reznor de Nine Inch Nails, qui est un grand groupe de rock industriel,
Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, Bowie, il s'inspire de groupes qui eux-mêmes se sont inspirés de Bowie. Parce que Trent Reznor de Nine Inch Nails, ce qu'il a écouté quand il était jeune, c'était Low, Heroes, Carrie Monster, Ziggy Stardust, c'était son idole. Il en a fait quelque chose de beaucoup plus radical et violent. Hein. Nine Inch Nails, c'est une musique très agressive, avec des sons industriels, donc ça veut dire qu'il tape là où ça fait mal, on pourrait dire. Et Bowie va s'en inspirer. Alors, on pourrait y voir une sorte d'excès de jeunisme, une sorte de vampirisation de la jeunesse. Il va en quelque sorte voler chez les jeunes pour se rajeunir lui. On peut y voir une forme de crise de la 40-50aine. Mais il se trouve que quand on analyse les albums, en fait, ça ressemble pas vraiment au jeune groupe. Ça ressemble avant tout à du Bowie. Donc on retrouve cette idée que oui, Bowie sait s'inspirer de choses de son temps, mais il va s'en inspirer pour créer une synthèse unique qui ressemble avant tout à du Bowie. En termes de look, on retrouve aussi un questionnement sur l'image, le packaging, l'emballage. Là, on le voit en une sorte de pirate de l'espace du futur, avec à nouveau les cheveux teints en l'air, donc il y a un petit côté Ziggy Stardust plus sobre malgré tout, et on peut aussi l'associer à toute cette mode un peu tribale du piercing et du tatouage des années 90 qui est associée à certains types de rock et certaines musiques électroniques radicales. Dans la techno par exemple on a ça, ou dans le rock alternatif également. Donc il a un groupe qui l'accompagne. Un petit mot quand même sur Gail Ann Dorsey, qui est une immense bassiste et chanteuse, qui joue aujourd'hui avec M d'ailleurs. Donc, elle a beaucoup joué en France puisqu'elle fait partie du groupe de M. Et elle le suivra jusqu'à la fin de sa carrière, enfin, à l'exception du tout dernier album. Je vous passe un extrait du clip de The Earth's Filthy Lesson, qui témoigne bien du Bowie 95 qui s'est renouvelé, qui fait une musique beaucoup plus dangereuse, j'allais dire, c'est-à-dire mystérieuse, étrange, un peu inclassable. Vous allez avoir des sons électroniques, des sons rock, une structure un peu alambiquée et une ambiance beaucoup plus sombre. Je vous explique pourquoi juste après. Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus menaçant et d'étrange dans cette musique et dans ce clip aussi. Alors, à remettre dans le contexte, hein, les clips de Nine Inch Nails ont une atmosphère, un design assez similaire. Je pense au clip Closer notamment, s'il y en a qui connaissent. Donc c'est pas le seul à faire ça, mais il le fait avec sa personnalité, sa voix, qui a changé, qui a vieilli certes, mais qui a toujours une forme d'intensité. Et en plus, il recommence à raconter des histoires sur l'album Outside. Il raconte l'histoire d'un serial killer qui fait de ses crimes des œuvres d'art. C'est le Minotaur. Et donc, on peut y retrouver une ambiance très proche de ce que fait David Lynch à l'époque. J'en ai déjà parlé, mais vraiment, il y a des éléments de Twin Peaks. On peut le relier aussi à Lost Highway, le film sorti à la fin des années 90, réalisé par David Lynch. Donc, c'est cet esprit un peu dangereux, étrange, un peu malsain, en fait, finalement, qui n'est pas synonyme forcément d'un artiste vieillissant. Bon, il va finir par y arriver. C'est la huitième phase, le classicisme pop de 99 à 2004 avec Hours, Eden et Reality, qui coïncide tout simplement avec quelque chose d'assez bête, hein. C'est le fait d'avoir sa fille, d'avoir un nouvel enfant. Et cette fois, Bowie va vouloir absolument, et à juste, on peut le comprendre, passer du temps avec sa fille et pas louper l'enfance de son enfant comme il avait pu un peu manquer celle de son premier enfant. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que oui, il va faire de la musique, oui, il va s'y consacrer pleinement, mais le but va moins d'être de choquer, juste de produire de la belle musique. Alors, c'est aussi parce qu'encore une fois, il renouvelle ses influences. Donc, jusqu'au bout, Bowie va s'intéresser à la jeune garde. Qu'est-ce qui l'intéresse à cette époque? C'est Radiohead, Blur et puis Grandaddy. Des artistes qui, à la fin des années 90, font une musique assez avec des touches d'expérimentation qui font qu'on sent quand même pop-rock avec pas mal de claviers, et des belles mélodies. Il y a une forme de lyrisme très émouvant chez eux, hérité notamment de Pink Floyd de la grande époque. Et donc il va essayer d'intégrer ça dans sa propre musique. Et surtout, Bowie, on sent qu'il n'a plus rien à prouver. Donc il va devenir beaucoup plus sobre en termes de look et même en termes de composition. C'est une période qui recèle de superbes chansons, vous avez vraiment de très belles mélodies, de très belles suites d'accords. C'est très accessible parce que ce n'est pas radicalement expérimental, mais ça reste très inspiré. En revanche, il n'y a plus les fulgurances étranges qu'on pourrait avoir auparavant. C'est pour ça que j'appelle ça le classicisme pop, c'est que c'est de la pop à la Bowie, ça ressemble à rien d'autre. C'est du Bowie très clairement, avec tous les instruments, tous les mélanges de genres qu'on peut avoir, avec un petit peu d'électronique, un peu de rock, un peu d'éléments de musique afro-américaine. Mais c'est pour faire du beau travail, des belles chansons, des belles mélodies. Et ça coïncide aussi avec cette image plus sobre, en fait, sur scène. Il va retrouver le goût de la scène durant les années 90 et 2000, qui vont aboutir à son ultime tournée. Là, on le voit avec Gail Ann Dorsey, dont j'ai parlé tout à l'heure. Son ultime tournée, la tournée de l'album Reality, en 2003-2004,
où alors il va s'en donner à cœur joint. Hein. Ça va être une grande tournée. Alors ici, pardon, mais on est près de Bordeaux, mais je veux dire à Paris. C'était, il remplissait Bercy à cette époque, par exemple. Et donc c'était plus des stades, c'est ça que je veux dire, ou des hippodromes comme c'était le cas auparavant. Seulement, coup de malchance, un problème au cœur, aux artères, l'empêche de terminer sa tournée. Donc l'âge le rattrape. Là, il a 55 et quelques années. Et donc, en fait, il se rend bien compte que s'il veut voir sa fille grandir, il va falloir peut-être calmer un petit peu le jeu. Et donc, en fait, à partir de 2004, Bowie fait une grande pause. Il se retire. On le voit dans des seconds rôles au cinéma. On le voit ponctuellement sur scène. Il y a par exemple une séquence qui a été filmée où on le voit sur scène avec David Gilmour pour chanter Comfortably Numb de Pink Floyd. Voilà, ponctuellement, il est invité. Il est toujours très souriant, très content d'être là, mais il sort plus rien. Alors, en vérité, il fait des petites choses, mais en secret. À tel point qu'il fait même signer des clauses de confidentialité à ses musiciens pour que surtout l'information ne soit pas divulguée. À partir de 2010, à peu près, donc quand sa fille a une dizaine d'années. Il commence à retrouver en studio, alors chez lui, il a un home studio, c'est-à-dire un studio à la maison dans son appartement new-yorkais. Il élabore des petits embryons de chansons et puis hop, il envoie ça à ses musiciens et puis ils se retrouvent ponctuellement pour arranger ensemble. Et puis comme ça, sur plusieurs années jusqu'en 2013, où enfin, sorti de nulle part, moi je me souviens très bien, il n'y avait aucune préparation, aucun mot en amont, aucune annonce. Paf, nouvel album de Bowie qui s'appelle The Next Day, et donc ça faisait 10 ans qu'il n'en avait pas sorti. Et là, je trouve ça assez... la boucle est bouclée, si on peut dire. Bowie, c'est un artiste postmoderne qui mélange toutes les disciplines, qui mélange toutes les époques, sans hiérarchie, culture savante, culture populaire. Il fait référence aux choses, il fait référence à la littérature, au cinéma, à la musique. Et bien, sur The Next Day, son album du grand retour, il fait carrément référence à lui-même. C'est-à-dire qu'on peut ne pas l'aimer, la pochette, mais elle est quand même un peu amusante, parce que c'est la pochette de Heroes. Il a barré Heroes, cadre blanc en plein milieu, et hop, The Next Day, c'est le nouvel album. Comme si c'est le vieux Bowie, mais c'est le nouveau. Et cet album, c'est une porte d'entrée intéressante si on ne connaît pas Bowie, parce qu'en fait, il résume à peu près toutes les facettes de Bowie. C'est une bonne compilation, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un album qui restera comme le plus marquant chez Bowie, mais il a cet avantage de résumer un petit peu, bah voilà, mon catalogue, c'est ça, j'ai fait du glam, j'ai fait du rock de stade, j'ai fait de la musique électronique, j'ai fait du rhythm and blues, enfin, il y a un petit peu tout ça qui est mélangé. Il tourne pas du tout, hein. Il s'est complètement retiré de la scène. En revanche, en 2015, vous avez l'exposition qui a lieu à Londres, puis ensuite qui arrivera à Paris, qui fera office en quelque sorte de tournée, c'est-à-dire que les billets, les tickets de l'exposition vont être très vite sold out en Angleterre. C'est le retour de Bowie sans Bowie. On va voir ses costumes, on va voir ses instruments, on va voir ses manuscrits. Il n'est pas là, il dit rien, il donne aucune interview, mais clairement, il continue d'exister dans la culture populaire. On le voit juste dans des clips. Clairement, il continue de soigner l'image qu'il renvoie avec les clips. Alors, on le voit là avec Tilda Swinton qui joue dans le clip de The Stars Are Out Tonight. Et puis, il commence à travailler sur la comédie musicale, c'est-à-dire sur la pièce de théâtre et comédie musicale Lazarus en 2015, qui est une suite en termes d'histoire. C'est censé être la suite de l'extraterrestre du film L'homme qui venait d'ailleurs, qui est basé sur le roman de Walter Tevis. Donc, en gros, vous aviez le film en 1975 de science-fiction avec Bowie qui raconte l'histoire de cet extraterrestre perdu sur Terre. Et bien là, on le retrouve, il n'a pas pu rentrer chez lui, il est déprimé, il ne va pas bien, mais il a une sorte de vision d'une jeune fille, on ne sait pas si c'est un fantôme, si c'est un souvenir ou si c'est une véritable petite fille, qui va l'aider à retrouver goût à la vie. Et donc, pour ce faire, Bowie va participer à la bande-son, à l'écriture de cette pièce de théâtre. Il donne les droits pour rechanter des vieilles chansons de son catalogue et il va même composer pour l'occasion. Et ça va lui donner envie, en fait, de composer un dernier et ultime album qui va s'intituler Black Star. Pareil, on n'en entend pas parler, mais en fait, dès 2013-2014, il commence à agencer un groupe. Dans ce groupe, il y a Tony Visconti, son producteur, et il y a Donnie McCaslin, qui sera le dernier collaborateur de choix, qui est un jeune par rapport à Bowie. Hein. Bowie approche des 65-70 ans, enfin 65 ans à cette époque. Et donc Donnie McCaslin, c'est un jazzman, saxophoniste, qui a un groupe de jazz avec clavier, basse, batterie. Sa petite originalité, c'est qu'il n'hésite pas à reprendre des morceaux d'électronique ou de rock à la façon jazz. Donc c'est quand même un groupe un petit peu hybride. Et donc ensemble, ils vont élaborer un album, Black Star, qui sera le dernier album de Bowie, qui représente, à mon avis, mais je ne pense pas être le seul, la quintessence philosophique de ce qu'est Bowie. Parce qu'à nouveau, Bowie reprend des risques et recrée une synthèse de musique qu'il découvre,
l'électro moderne, une forme de free jazz moderne, qui va relier à toutes ses amours passées, à une forme de lyrisme inspiré de Radiohead également. Et donc on a un album qui, comme Aladdin Sane ou Low ou Heroes, va créer un style inclassable. Alors qu'au début des années 2000, le classicisme pop était un peu plus classable, là, il termine en fait sur un coup d'éclat qui est complètement inclassable, beaucoup plus mystérieux aussi. Alors évidemment, il va y avoir du mystère dans cet album, tout simplement parce que l'album sort le 8 janvier 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 69 ans, et Bowie décède l'annonce du décès de Bowie est donnée le 10 janvier 2016. Et à la relecture des textes, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de la mort, puisqu'il avait un cancer qui l'a emporté, et cet album du coup a un caractère assez sombre, mais aussi assez stellaire. Je vous passe juste pour finir, pour conclure, ce qui à mon avis est une de ses meilleures chansons, avec un extrait du clip de Black Star, qui est la chanson titre de l'album Black Star. Vous allez entendre des programmations électroniques, des éléments free jazz, et cette avant-garde pop rock dont j'ai parlé. C'est à la fois une chanson accessible et en même temps c'est avant-gardiste et expérimental. Et donc jusqu'au bout, David Bowie est à la fois lui-même et joue un rôle. Jusqu'au bout, il synthétise des esthétiques qui n'ont pas grand-chose à voir pour créer un art qui ressemble qu'à lui-même, qui est à la fois expérimental, avant-gardiste et en même temps très accessible, parce qu'il y a toujours une forme de beauté assez universelle qu'on retrouve dans la musique de Bowie. Je vous remercie pour votre attention.